Bonjour, veux-tu bien expliquer les différents niveaux de dépendance, s'il te plaît? Merci et grand bravo, je t'en prie, avec plaisir et merci pour ce gentil petit commentaire. Donc là, j'ai repris mes petites notes que j'ai prises lors d'un groupe consacré à la dépendance, mais la dépendance aux substances. Je m'expliquerai un petit peu plus tard dans la vidéo pourquoi je parle de dépendance aux substances. Donc il y a d'abord la dépendance physique, et elle arrive lorsque l'organisme développe une accoutumance ou une tolérance à une substance au point que l'organisme en a besoin pour bien fonctionner. Et donc, quand on arrête là ou même les substances, on va avoir du craving, donc crise d'envie, qui va s'accompagner de signes de sevrage qui sont toujours plus ou moins les mêmes. Et là, on parle de troubles de l'humeur, troubles psychologiques, troubles du sommeil, ou voire même des douleurs physiques. Mais là, c'est plus dans le cas de produits, de molécules à base de morphine ou carrément de l'héroïne. Là, c'est vraiment des produits, des substances, une molécule qui entraîne de grosses douleurs physiques, parce que ça dérègle la glande de morphine base. Et donc après, il y a la dépendance psychologique. Et là, c'est déjà un peu plus... Hein. Donc elle est liée aux effets de la substance consommée, au contexte dans lequel on la consomme, avec les gens, les lieux, en fait tous les rituels qui entourent cette consommation. Et elle est liée aussi au plaisir, en règle générale, donc que procure la substance et la consomme. Comme je te dis, voilà, le plaisir de l'euphorie, de la désinhibition et le plaisir de partager, je vais dire ça comme ça, à un moment entre amis. Mais le problème, c'est qu'on peut vivre longtemps dans le souvenir d'une consommation ou de plusieurs consommations. Et donc, une dépendance physique, si tu veux, bah, on en est débarrassé après la fin du sevrage, qui dure plus ou moins longtemps, ça dépend de la substance, ça peut aller de quelques jours à quelques semaines, à quelques mois. Mais une dépendance psychologique, même après un sevrage physique, donc, bah, elle peut durer toute une vie. Donc voilà, il y a, par exemple, moi dans mon cas, ben, j'aurais une dépendance quand même un petit peu psychologique toute ma vie, ben, surtout à l'alcool. Après, il y a aussi des problèmes de dépendance affective, mais ça c'est tout à fait un autre sujet que je pourrais peut-être un jour aborder dans une vidéo. Ben, sinon là-dessus, ben, je te souhaite une excellente soirée à toi et à tous ceux qui voient la vidéo. Et voilà, si tu as besoin de précision, tu me le dis, je ferai de mon mieux pour y répondre.